Donc nous sommes de retour. Vous vous rappelez le chevalier limier? Eh ben on va l'oublier pour le moment. On va complètement l'oublier, honnêtement. J'ai passé à peu près 40 minutes dessus. J'ai progressé, j'ai fait des progrès. On peut le parer, tout ça. C'est sympa. Mais il fait grave trop mal et je fais pas assez de dégâts. Tiens, il y a un truc là. Un cadavre. Non. On va pas le faire pour le moment. Ce serait pas avec le cheval qu'il faut faire ça. Genre, on avait vu ici qu'on pouvait. C'est pas ça que je voulais faire. Ah, le cheval. Merci. Ouais, on pouvait monter. Donc ouais, je suis un peu dégoûté honnêtement parce que j'ai fait du... Wouh! Ça tue? J'ai fait du très bon progrès avec le chevalier limier, mais c'est nettement pas assez. Qu'est-ce que c'est que ces machins? C'est nettement pas assez, donc je vais essayer d'oublier qu'il existe pour le moment et on reviendra plus tard. Je suis assez dégoûté honnêtement. C'est quoi ces machins? Après, bon, moi j'ai un arc. Ça va. Fragment de ruine. Ah oui, il faut que je remette mes astuces aussi. Enfin, mes potions. Ça va, on fait des bons dégâts. Il n'en reste plus qu'un. Géolt éternel. Du quoi? Du scélérat, c'est ça? Voilà, parfait. Mais ouais, je suis un peu deg. J'ai perdu mes âmes au passage du coup. Enfin mes runes, mais bon c'est pas grave. C'est fait, c'est fait. On peut jouer au foot. Examiner. Voulez-vous entrer dans la géole éternelle? Non. Je sais pas. Par contre... Non! Non! Putain! Aïe aïe aïe. Désolé. C'est la frustration. C'est la frustration, c'est tout. Qui me fait mal jouer. Oh. Ah, les autres, ils me tirent dessus, je crois. Le saut est cool, le saut est stylé, parce qu'il est super grand et tout. Mais ouais, tout ça pour dire que honnêtement, on avait passé un bon moment sur la dans la grotte. C'était vraiment, vraiment, vraiment cool. Donc quand c'est pour au final partir la queue entre les jambes, c'est un peu relou, j'avoue. J'avoue que c'est un tout petit peu relou. Branche sacrificielle. À quoi?
En cas de mort, cet objet est perdu à la place de vos runes. Donc, Ah, on va continuer vers le haut, je pense. Nous, on doit aller où exactement? Nous, on devrait aller à droite. Merde. Nous, on devrait aller à droite, en fait, suivre le chemin. Mais bon, enfin après, on peut se balader encore. Hein. Pas grave. Tranche de viande. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh! Il y en a combien? 3, 4 encore? Oh la vache. Ah, ils font mal, hein. Okay. Oh la vache. Ah ouais, ils sont bons pour... Non. Pour nous attaquer quand on est sur le cheval, hein, putain. Ah, très bien. Mon dieu. Qu'est-ce qu'ils font mal? Ce serait pas mieux d'utiliser une lance quand on est sur le cheval? Oh putain, ça serait trop bien ça. Ouais, peut-être, ça serait pas mal. Sympa les bestioles, sympa. Ah, ils nous ont bien foutu dans la merde. Faut que je me concentre à repartir dans l'exploration, parce qu'honnêtement, encore une fois, le chevalier limier, la machin, là, c'est... un goût amer. Oh, goût amer. Non, putain, il y en a encore. Oh, merde. Ça prendra. Merde, pas mort. Ah, oh, saignement. Oh mon dieu, mais ils sont horribles. Ces trucs. C'est quoi ça? Ouais, il y en a encore. Oh là là. Je sais pas si j'aime bien cet endroit. Hein. Honnêtement. Je suis pas méga fan. Hein.
Une charrette. Qui a été... Putain de merde. Oh la vache. Oh, il m'a touché. Carreau de baliste. Ok. C'est horrible cet endroit avec les bestioles, les petites bestioles. Ah, par contre, il y a encore un. Il y a un petit camp. Oh merde. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh. Ok. Est-ce qu'on peut les faire venir? Genre lui par exemple. Il m'a vu. Il fait c'est quoi? Il fait quoi là? Ah, il fait du feu. Okay. Cool. Ah! Saignement. Tu me donnes rien en plus, mon putain. Je sais même pas si on est censé être là. Je crois pas. Hein. Je crois pas qu'on est même censé être là. Ouais, non, nous on devrait plutôt être là-bas. Enfin, honnêtement, j'ai envie même de revenir vers là. Enfin, non, non, ça c'est le chemin qu'on monte. Je sais pas. J'ai envie de me. Ouais, de me balader un peu plus en fait. Mais ah, à chaque fois je fais ça. Je sais pas. Bon, eux, ça doit être quoi? Des pyromanciens? Ok. C'est pas vraiment des magiciens en fait. Je pensais honnêtement que ça allait être des mages. Non, j'ai trop insisté. Je pensais que ça allait être des mages un peu sans défense. Mais ouais, en fait non. Par contre, faut que je remette ça. Il a quoi encore? Pareil, une masse. On peut peut-être le pool. Ah, on peut invoquer des bestioles. C'est assez intéressant. On va voir, on va faire ça. Là, on peut la renvoyer. On va faire ça. D'accord. La tête.
Alors, elle, elle l'empoisonne. Normalement, ça, ça empoisonne. Et c'est assez tanky, c'est bien. Elle est sympa la flèche dans ta tête. Ok, d'accord. Merci pour les dégâts. Par contre, c'est pour se remettre à une main et deux mains. C'est un peu galère, en fait. Non, attends, on a des... On va passer par là. Ok, cool. Le feu brûle en moi. Et... Vraiment, vient de garnir le feu. Ok, ça marche. Eh, hey, défends-toi! Elle fait pas très mal, mais elle est censée empoisonner normalement. Ah, ça y est, on a fini le camp. Elle est censée empoisonner, j'ai pas vraiment vu ça. Si on regarde la description, on peut lire plus en détail. Mais cher son lointain foyer, elle crachera vaillamment du poison sur les ordres de son invocateur. Bon. Elle s'appelle Aurélia. Et après, là, on a trois chiens qui sont assez vifs et tout ça, mais ils ont moins de vie. Où tu vas? On a des moustiques. T'es méchant le moustique? Oh mon dieu, t'es méchant. Oh la vache, le machin. Dieu, on combat un moustique. Mon dieu, j'arrive pas à le toucher. Mais... Ah ! Ok. Bon, le moustique, en fait, il est juste là pour... Oh mon dieu, t'es sérieux. Le moustique est juste là pour nous distraire, quoi. C'est fait défoncer. Allez, on se casse. J'aime pas, je suis pas super fan de cet endroit. Excusez-moi. Ah mon dieu, c'est quoi ça? Des crabes, et ça c'est du poison. Non. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est poison. Vas-y, on va regarder.
Ça a l'air d'être poison, hein, je veux pas dire, mais... Empoisonnement, yay. Viperia. Ça va sûrement se trouver que seulement dans le dans des marécages de poison. Par contre, le cheval, est-ce que... Ah, ça va. Par contre, peut-être que le cheval, il se fait empoisonner au bout d'un moment. Qu'est-ce qui se passe? Ouais, mais ça a pas l'air fun du tout ici, honnêtement. Ouais, je suis pas vraiment prêt. Hein. Je voudrais bien un peu augmenter avant. Oh, bonjour. Calme-toi la musique, tu me fais peur. Alors fais voir. Nous on veut... Mon dieu, je suis allé où là ? On veut aller vers l'est. Ah. Ah. Parfait. Parfait, parfait. Ah, j'aurais... Ouais, on a encore un peu de points. Parce que si jamais c'est un marchand, ça, c'est quoi ça? What are you looking at? You trying to start something, mate? Qu'est-ce qu'il a? Tu veux du crabe? T'as des homards? What the hell is wrong with you? You're trying to start something. Piss off. Before I crack you in half. Oh, on se casse. Peut-être qu'il veut que... Genre qu'on ait quelque chose sur soi et il serait là. Ouais, en fait, t'es sympa, je veux bien que tu me donnes ça et on peut être meilleurs amis. Donc nous, si je regarde bien la map, ouais, on veut aller là. Ah, à chaque fois. Désolé, parce qu'en fait, je pense à faire refaire la même touche pour fermer la map, mais c'est pas ça encore, ça marche pas. Là, on a des lanternes qu'on peut suivre. On va continuer vers l'est. C'est quoi ce tour? Ça me dit rien qu'il vaille cet endroit. C'est quoi ça à droite? Un ballon? Putain de merde! Omar. D'accord. On a plus de flèches. On peut pas fabriquer d'objets parce que quoi, on est en combat, c'est ça? Ah ouais, mais non, mais c'est con ça. J'imagine que ça... J'imagine que ça crache de l'eau. Oh la vache, le dégât. Dieu, c'est rapide.
Mais on fait que dalle en dégâts. Ouais, ça crache bien de l'eau. Il m'a tué. Ouais, je voulais un peu tenter parce qu'on a un... On a un camp pas loin, je voulais vraiment tenter vite fait, voir si ça allait faire quelque chose. Mais non, des mauvaises idées. Des très mauvaises idées. Alors, on y retourne. Bon, cette fois on laisse les crevisses là, tranquilles. Hein. Oh, il y en a encore une là. D'accord, je viens de les capter en fait. Ou alors c'est la même. Ah, mais... C'est là. Hop, bien. Ciao. Ah, il y en a partout. C'est quoi ça? Mon dieu, t'es sérieux? Mais la portée du machin, quoi! Ouais, non, honnêtement, ce ballon, il me dit rien qui vaille non plus. Ouais, on va le laisser aussi. Ah, mais on va laisser tout, en fait. On va pas... L'exploration, en fait, c'est pas vraiment si bien que ça, hein, dans Elden Ring. Hein. Je retire ce que j'ai dit, hein. C'est pas vraiment ça, en fait. Genre, tout est là à vouloir te tuer. Mais... Et en plus, ils sont bons à ça, en fait. Donc ça pose problème. Eh, merde. Non, mon dieu... Ah, mais ça va. Ça va, ça va. C'est bon. Bon, c'est quoi ce match? Putain, évidemment, c'est pas des gentils. Ouais, non, ils donnent pas confiance. En plus, ça a 4 bras. Ouais, non, ça ira, ça ira. Merde, il y en a un qui est tombé. J'ai envie de dire... Si tu veux, ouais. Enfin, t'as l'air dégueulasse quand même. Ouais. Il a des arbalètes. Putain, des arcs, des arcs. Mon dieu, il s'énerve. J'ai envie de dire, c'est... Putain, la flèche, quoi. Taille de la flèche. J'ai envie de dire, c'est plus safe comme ça. Perdu de ciblage. Doucement, doucement, doucement. Oh mon dieu, qu'est-ce que c'est que ce truc? Ok, il s'énerve en fait. Merde.
c'était cool. Et le ballon, on peut... Ouais, on peut lui tirer dessus. Rune dorée, x6. D'accord. Bah c'est cool. C'est cool. Merde, c'est vrai que j'ai oublié qu'il a deux sauts, ça, le cheval. Tant qu'on est là. Ah merde. Une tranche de viande blanche. Il y a sûrement... C'est le chemin qu'on doit prendre. Oui, parce que l'autre, elle parlait d'un pont cassé. Je pense qu'on est sur le bon chemin. Hein. Après, on peut s'écarter un peu du chemin droite-gauche. Pour que... Voilà, on découvre un peu. Hein. Mais je pense qu'on est sur le bon chemin. C'est quoi ça là-bas? Un ours? Là il y a des... Non c'est des cailloux. Ça c'est un ours ça par contre. Honnêtement c'est vachement bien d'avoir un... Ah oui par contre je voudrais changer ça. Voilà, comme ça on l'a là. Par contre l'arc, oui c'est ce que je voulais dire, l'arc c'est vachement bien. C'est quoi ça? Bonjour. Raya, lieu saint dédié à l'étude de la magie. Pourquoi tes portes restent-elles closes? Pourrait le masque de pierre me serait-il interdit? D'accord. C'est une boule rouge. Qu'est-ce que, hein? Au bout d'un moment, il y a tout qui veut nous tuer, donc bon, hein, c'est... On est de moins en moins surpris, hein. Oh mon dieu... Lui, il a été invoqué? Ah mais c'est chaud là. On est avec qui exactement? Personne?
celui-là qui m'inquiète, c'est... c'est l'autre. Par contre, on peut faire ça. Ça, tu tires de loin. Vas-y, poule-les-moi un par un, ça serait bien. Très bien. C'est quoi ça? C'était lui qui a fait de la magie ou je sais pas quoi? Mais il a masse de vie. Il a masse de vie. Ah oui, c'est ça. Non mais c'est top hein, mais hein. Plus tard hein. Oh la putain. C'est vrai que j'avais oublié que ces trucs là ils ont... Ils réapparaissent tous. Alors, on a eu quelques armes. Déjà. C'est les flèches en fait qui nous font défaut pour le moment. Alors, en armes, on a eu le bec de Corbin, force 15. Je crois qu'on a eu que ça. Non, on a eu que ça. Je vais voir un peu le mouvement. Ah merde. Y a pas le tourniquet, s'il y avait un tourniquet avant. Oh, c'est pas mal ça. Merde. Ah oui, c'est vrai qu'on a une avec le saut en arrière. Honnêtement, je vais rechanger mes touches parce que je crois que au final, hein, c'était très bien comme elles étaient. On va laisser comme le jeu a mis. Ouais, c'est vrai qu'on a ça aussi, fais voir, j'ai jamais fait au katana. Ok, ouais, c'est plus l'attaque et stock en fait. C'est un slash. Ouais. Ok. Ça marche, sympa.
Une statue là-bas. Ouais, mais du coup, je me suis habitué. Oh mon dieu, ça me rend fou. C'est quoi ça? Gardien des portes de guide pour ceux qui retournent aux racines. Ok. T'es conscient que tu me pointes dans le sol là? Attendez, je sais que je suis chiant, hein, mais au final, je vais péter un cas avec ces touches. Je sais pas, il pointe sa pointée vers là, donc bon, on y va. Hein. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Ah. Ça. On devrait pas passer à côté des... des feuillages. Bonjour. Oh mon dieu. Tiens! Mange, saloperie. Pierre de forge sombre. Ok. Oh, ça valait le coup. Ouais, bon, c'est sympa, oui. C'est pour du craft, quoi. Enfin, non, c'est pas pour du craft, pour augmenter nos armes. Pour de la forge. C'est quoi ça, une tortue? Bonjour. Peux te manger? Viande de tortue. Oh, dégueulasse. Bon. C'est quoi ça? Allez. C'est l'heure de la carte. Ah, on a un fort là-bas. Non mais comment on y va? Ah, comme ça? Ok. Ah oui, là on est au-dessus en fait du combat. Sur la gauche, d'accord. Me balade, hein. On se perd hein, dans cet univers. Ce qui est cool, ce qui est cool. Les endroits sont classe.
On n'a toujours pas augmenté notre notre arme, rien. C'est vrai que ça aussi, il faudrait peut-être qu'on prenne un moment et qu'on retourne à la table ronde, là. Et augmente nos armes. Parce que niveau arme, armure, on a strictement rien augmenté. On a pris genre quelques niveaux. Quelques niveaux. Et genre 3 peut-être, 4. C'est tout. Donc c'est vrai que on n'a pas progressé des masses. Hein. Wow! Ah ouais, monsieur, je te tire dessus de loin comme ça, c'est pas top. Faire les chiens un peu. Mon Dieu. Bouge pas, j'arrive. Mon Dieu, le chien m'a fait peur. Ouais, ils sont avec moi, ceux-là, ils sont bleus. Pas tout le monde est bleu ici, mais ils sont plus bleus pour moi. Qu'un chien. Ouh, t'es moche, toi. Tiens, voilà, t'apprendras à te faire de la magie. Bâton, lume-éclat de Caria. Vas-y. Oh mon Dieu, tout ce qu'il y a. C'est vrai que c'est des zombies débiles, hein. Ils sont toujours là, nos loups. C'est pas fini. Alors, je sais pas s'ils marchent pour aussi le combat qui est juste à côté. Je crois que c'est pour le combat qui est aussi juste à côté, en fait. Que je vois plus personne. Attends, on va se cacher. Alors. Réduit temporaire. Ah oui, les dégâts de chute, oui, c'est avec ça. On a plein d'objets là, ça c'est bien. Permet de récupérer des âmes. Enfin, des âmes. Vous m'avez compris. Là, on a. A donné un prêtre expérimenté pour obtenir des nouvelles incantations. On a eu ça. Bâton renforce les sorcelleries de lame éclat. Effet passif. Ah, ils disent effet passif aussi. Non, on peut pas aller dessus. Intelligence 22. Terre. Terre, pas mal. Terre, pas mal. Est-ce qu'ils vont rester avec moi? Oui, ils restent avec moi, ça va. De toute façon, ils ont l'air de se téléporter à chaque fois. Ah, ils disparaissent. Okay. Là, je crois que c'est parce qu'on n'est plus dans la zone. Ou alors, ou c'est parce qu'on a pris le cheval ou on n'est plus dans la zone. On n'a plus le symbole de l'incantation. Non, je sais pas. Ouais.
Bon, bah déjà, on a un peu de... Oh, tiens, statue. On a un peu de... de ressources, on va pouvoir acheter des trucs ou monter du niveau. maintenant... C'est quoi ça? Ah oui, ça c'est le... la direction. Ah, c'est vrai qu'on n'a pas pris la grotte là. La géole éternelle du... Enfin non, c'est pas une grotte, mais vous m'avez compris. C'est vrai qu'on n'a pas fait ça. On peut peut-être... peut peut-être le faire, voir où ça nous mène en fait, ce truc là. Voir ce que c'est. Est-ce que t'as... Ah, not everyone. Là on a quoi? Il t'offre le répertoire d'artisanat. On peut prendre ça. Après on a des flèches. Ah oui, je voulais peut-être prendre le rempart. Je sais pas si c'est une bonne idée ou pas. Mais... on passe en charge lourde. Yes, on est en moyen. Oh non, tu vas me dire que t'as pas de parade. Enfin, honnêtement, au moins ça nous fait un bouclier qui prend 100% des physiques. C'est pas si grave. Et puis du coup, on peut faire ça. Sinon, ça nous dit quoi sur le bouclier ? Bouclier en métal cassé de taille moyenne, bouclier en métal encaisse très bien les dégâts physiques tant que vous maintenez votre garde. Les 7 caractéristiques ont fait un équipement très solide. Cité sur les champs de bataille, aucune compétence. Cette arme ne dispose d'aucune compétence. Si l'arme tenue à votre, votre autre main possède une compétence, celle-ci sera utilisée. Par contre, est-ce que on peut le. On peut le mettre. Lui mettre autre chose, du coup. Ah, il faut retourner à la forge, c'est ça. Ouais. Bon, en tout cas, c'est pas perdu. C'est vraiment pas perdu parce que... Un bouclier à 100%, ça va être bien. Déjà, par exemple, contre le chevalier limier, là, ça sera intéressant. Alors, fais voir un peu. Oh mon dieu, où est-ce qu'on est ? La dame, le voleur du feu. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh mon dieu, les dégâts. Wow. Ça a l'air très dangereux. Là, je regrette de pas avoir parade en fait. Par
contre, il a beaucoup de d'équilibre. Un peu. C'est un peu con qu'on puisse pas le parer. Fait chier que ça boule de feu. Merde. Oh, il m'a brain là. Brûle. Et il peut se soigner en plus. Je pense pas qu'il soit très puissant. Dernier site de grâce, effigie de Marika. Il est où l'effigie? Je crois qu'il est juste à côté, non? Je crois qu'il est juste à côté. Ouais. On va voir si on peut... Je pense pas qu'il soit très difficile, faut juste que j'essaye de le parer, ça serait peut-être mieux. On va voir. Ouais. Alors, quand, peut-être quand une grosse attaque, pas. Non. Pas mal. Après, faut apprendre timing et tout ça. Hein. Attention, c'est pas, hein, c'est pas un jeu pour les enfants. Bon, ça va être chiant, c'est bien. Et voilà. Flamme du dieu cruel. Et voilà. C'était pas mal, c'était pas mal. Le katana a bien fonctionné, le saignement, c'était cool.
On a fait des bons dégâts. Bon, ben ça c'est fait. J'ai essayé de parer à un moment. J'ai sûrement coupé la vidéo un peu. J'ai essayé de parer. Laisse tomber. Ça fait trop mal. En fait, il a vraiment le combo d'armure anti début de jeu. C'est-à-dire qu'il a beaucoup de stabilité. Et il a une masse qui fait extrêmement mal, en fait. Et donc, si jamais on loupe le paring, c'est... Laisse tomber. Tu prends trop cher. Par contre, son armure... Là, elle ressemble à Smog, là, de Dark Souls 1. Son armure, par contre... il perd l'équilibre en fait si on le prend le katana à deux mains, donc c'est pour ça que j'ai spammé en fait. Invoque une boule de feu dévastatrice qui explose et met le feu aux environs. Vraiment cool ce truc. Coup de PC 50. Ça c'est une... ouais, un truc de haut niveau. Hein. 41 de fois, putain. Ouais. Ouais, vraiment cool. Combat sympa. On s'adapte. On essaye de s'adapter. Je vais mettre ça. Flèche 2, on va mettre ça. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ok, on a fait ça, on a fait ça, c'est très bien. 3800 âmes, cool. Là, c'est d'où on vient. Hein. Bon, ben, je suis content qu'on ait fait ça. Très content. Très très content. On devrait suivre ce passage. On devrait, honnêtement, ouais, en fait, on devrait revenir à la table ronde. On va peut-être faire un tour à la table ronde. Table de la grâce. Ah, juste pour augmenter nos armes et tout ça, parce que c'est vrai que c'est un peu la galère. Personne veut nous aider ici. A pleasure to see you. Thank goodness you're safe. I'm still looking for my own purpose. It's not easy by any means, but it's what I must do. Transmettre le message du forgeron. Ah. You're telling me I possess some kind of gift. I don't believe you. But if I do have this talent, and goodness knows it would be my first. I suppose I should try to hone it, shouldn't I? I'll ask Master Hugh to teach me. Certainly he does appear intimidating and holds no love for us tarnished. But I know he's trapped here at the Round Table Hold. So I can tell. He's a gentle soul underneath it all. Okay. Donc on lui a dit qu'elle avait une sorte de don. Enfin, le forgeron, il pense qu'elle a un don. Well, I took you no matter, it's all lay out your arms. À propos de Roderica. The girl. What about her? Acceptez-vous de veiller sur Roderica? Are you out of your mind? Who'd stay with an ugly brute who only knows how to smith? Absurd. Besides, she'd never agree to it. Attends, c'est quoi son nom? I refuse to believe it. I don't doubt you, but I know when something's too good to be true. Og. Bah oui, bah c'est lui. Je vais voir ce qu'elle va dire maintenant. Vous voulez pas aller vous voir les l'un l'autre là? If I do have a talent for spirit tuning, then goodness knows that would be a surprise. I suppose I should try to hone it, shouldn't oui. I?
I'll ask Master Hugh to do. D'accord. Donc, ouais, les deux. Ils veulent pas se parler, c'est bien. Back already, no matter. C'est bien. Alors, on pourrait mettre le katana au niveau. Bah voilà. Niveau 1. Ah putain. Donc je pensais qu'on allait aller plus loin. Cendre de guerre. Ah oui oui oui. Par contre, si on met. Retirer les cendres de guerre, placer son bouquet rond, épine rouge. Ouais. Affinité octroyée aucune. Ok, donc là maintenant, on peut parer, je crois, avec celui-là. Consomme des PC à lancer sur les ennemis pour infliger des dégâts magiques. Ah, cool. Ah, on pourrait prendre pas mal de points. Putain, c'est con qu'on ait pas assez de composants là. Où est-ce qu'on pourra en acheter? Ouais, non, elle, j'ai pas envie qu'elle m'attrape. Où est-ce qu'on pourrait en acheter des composants? Toi, tu vends quoi déjà? Ah oui, il y a aussi fabrication d'objets. Est-ce qu'on a d'autres nouveaux objets? Ah, ça y est, on peut faire des flèches fragmentées. Enfin, c'est pas encore les mêmes. Éclat de cristal. Très facilement dans les galeries cristallines. Et avec des autres bêtes, encore une fois. Pierre d'éclat du coucou. Consomme des PC pour créer un projectile magique. Intéressant. Foie séchée anti-magie. Améliore temporairement la résistance aux dégâts magiques. Il y a plein de trucs, c'est vraiment cool. Oula, qu'est-ce qu'il a le jeu? J'ai un peu qu'il laguait. Point cerné, lancer en arrière pour infliger des dégâts de feu. Ah oui, ça c'est quand on nous suit. C'est bien ça. Peau d'albinorique. Consomme des PC à lancer sur les ennemis pour empêcher de se soigner avec une fiole. Ah. Ça rend sympa ce système. You appear to be doing well. Very good. Well then, would you like to learn an incantation? Alors. Ouais, on a des magies. Par contre, c'est donner le bréviaire. Ah oui, le bouquin. Bah, il fait du feu, lui, donc je pense. C'est un travail d'hérésie. Ses incantations ne portent pas de lignage de l'arbre de terre. Oh là! Quoi, c'est lag? Oh mon dieu, c'est free. On va voir. Yes! 6000 hauts flammes. Créer une flamme vive dans les mains du lanceur, c'est ce qu'il faisait, c'est qu'il utilisait. Après, projette une boule de feu ardente et déferle aux flammes. Recouvre la zone face à vous de torrents de flammes. Ah mon putain. Je pense pas que ça vaille le coup pour le moment de prendre tout ça. Je pense pas que ça vaut le coup. Okay. Il y a lui là-bas. La perle. Alors. Les plans placement mémoire. Je vais prendre ça parce qu'on aura besoin. Ouais, voilà. Si vous utilisez un anneau adjacent blanc, vous appellerez automatiquement l'aide chasseur. Si vous utilisez un anneau d'abjuration bleu, vous recevrez des appels à l'aide émanant d'autres mondes. Dague, épée longue. J'ai bien envie de prendre des armes en plus. Là, on a quoi comme bouclier? Lui, il fait de la parade. Il est aussi à 100% physique.
C'est vrai que lui aussi on peut le prendre. Il est à 3-5 par contre, il est un peu moins lourd. Utiliser le bouclier. Comme ça on en a deux. Comme ça on en a deux différents. Et on verra ce que ça peut faire. Lequel est le mieux. Alors. J'ai bien envie de revenir un peu au début, de me balader ou genre, je sais pas trop. Ou alors on continue vers là, cabane aux crevettes bouillies, oui. Ouais, non, peut-être qu'on continue là. Crevettes bouillies, c'est le mec qui voulait pas nous parler là, qui s'énervait. Bon, on continue un peu à explorer. On va voir. Alors, fais voir un peu. Ah, maintenant on peut parer avec ça. Fais voir un peu la différence avec l'autre. Il a plus de garde, lui du coup. Il a plus une grande garde. La garde, ça sert à quoi exactement? Genre on consomme moins d'endurance, je crois qu'on se fait taper. Ça utilise la défense du personnage. Plus cette valeur est élevée, moins nous perte d'endurance entraînée par l'usage de la garde est important. Ouais, c'est ça. Donc à la limite, autant faire ça. Et normalement, on peut du coup parer. Alors que normalement, on peut pas. Il y a aussi un truc, c'est qu'on peut remettre ça. Genre là, on est en lourd, mais on peut repasser... avec notre armure de base. Mais bon, on gagne quand même pas mal de... On peut jouer comme ça, quoi. Alors, Nord-Ouest. Nord-Ouest. Et encore une tour. On y était à cette tour ou pas? Non, c'est pas la même. Cool. Merde. À bifurquer en tournant, parce que s'il me tire dessus, on va se faire toucher. Voilà. Mais la distance du machin, quoi. Allez. J'entends un scarabée. C'est quoi ça, quand ça brille? Je me rappelle pas, je me rappellerai jamais honnêtement. C'est pour remettre les estuges, je crois. Ouh, c'est quoi ça? Oh mon dieu, les gueules que vous avez, quoi. Ouais, vous le sentez le traquenard ou quoi?
rose de sang. L'église de la rose. Guerrier nomade. On va prendre les roses de sang parce que... Mon dieu, c'est quoi ça? C'est quoi ce machin? C'est quoi ce machin avec plein de vie aussi? Ok, c'est un combattant. Ok, il balance des couteaux. Putain, ça va là, l'endurance, non? Mon dieu, les dégâts. Ah putain, j'avais même pas vu le saignement aussi. Qu'est-ce que c'est que ça? Non mais s'il te plaît quoi. Putain j'ai pas... Mon dieu c'est mal. Ah mais il est buffé, il brille. C'est un contre ça ou pas? Par contre j'ai pas assez de vie là. Tiens, on avait une statue, j'avais pas vu. Et on n'est pas mort. J'oublie aussi beaucoup hein, l'attaque sautée. C'est pas mal, hein, l'attaque sautée R2. C'est puissant, c'est très puissant. Je suis un peu déçu, il nous a rien donné. Dégueulasse. Mon dieu, ils sont dégueulasses ces trucs. Il crash. Oh mon dieu. Ils font la roue aussi. What the fuck. Je pensais que j'allais le backstab. Par un moment. Donc c'est quoi ça? Je pensais que c'était des bestioles, mais... Enfin des autres choses, mais en fait non, c'est juste... Ça va peut-être des mages.
Peut-être des mages à la limite. Là, il y a des plantes que peut-être je peux récolter. Non, d'accord. Des méchantes plantes. Bon, nous on va où? Ah merde, je... ah ça y est. Donc ça c'est l'église de la Rose. On n'a qu'à aller tout à l'est. Non, on a déjà fait à l'est. On va continuer au nord. Nord. Oh mon dieu, on a la même plante, mais en plus gros. Oh la vache. C'est sympa cet endroit, ah là là. Qu'est-ce qu'on passe un bon moment. Bon, on va aller là-bas. Là, il y a des plantes, mais elles sont plus petites. Ça me fait marrer, moi, cette découverte, c'est genre... Ah, ici. Genre, c'est... C'est de pire en pire, en fait. Genre, il y a tout qui veut tuer, en fait. C'est horrible. Bon. Là-bas. Je sais pas si on est allé. Il y a des écrevisses partout. Ouais, on y est allé à celle-là, je crois. Ah, bonjour. Faites pas attention à moi. Ah là. Enfin là, j'en sais rien en fait. Hein. Village aux portes de l'académie. On peut entrer là. Non, le truc il est à moitié englouti. Graines dorées. Oh! Graines dorées, ça c'est pour nos fioles, je crois. Faut faire attention parce qu'il y a des trucs bizarres là. Et ils sont. Je crois qu'ils sont magie. Là on a quoi? Des chevaliers. Il a pas... C'est quoi? C'est une baliste en plein milieu? C'est quoi? C'est un canon. Ah on peut invoquer. Bon, on a qu'à y aller.
J'avoue que là, je suis un peu perdu sur notre... notre... direction. Je sais pas si je suis vraiment dans la bonne direction. Je vois des choses, j'y vais, quoi, un peu. Je vais généralement dans la bonne direction, mais après, on voit des choses, on y va, quoi. Putain, là, on va devoir faire ligne droite, quoi. Tu veux pas en poulain, vas-y. Yes. Non. Yes, vas-y. Oh, d'accord. Pas mal. Ah! Des trucs magiques, ça. Ah, si, il a empoisonné. Ça a l'air d'être efficace. Si l'ennemi est pas immunisé, j'imagine. C'est pas mal. Tiens, ramène-toi. Et ça illumine, hein, ce truc, c'est marrant, c'est sympa. Ça fait de la lumière partout. Bon, par contre... Ouais. C'est un lance-flamme! Parfait. Ah, il est bien ce bouclier, hein. Pourquoi tu t'énerves, toi, là? T'arrivais pas à avancer, c'est ça? Il est bien, 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 ce bouclier. Là, je préfère. Oh, merde. Cool, salut. Et tu veux pas ramener tes fesses au lieu de cracher sur les murs? Bloc avec les barricades. Oh. Flèche fragmentée empennée. T'es quoi, toi? Oh, t'es juste un garde normal. Ouais, t'as juste... Où tu vas? Mon dieu. Bon, tu fais ta vie, hein. Moi j'avance.
plantant un truc à l'intérieur. C'est toi qui fais ce bruit là? C'est en dessous du pont. Ah! Ah, je m'éloigne trop, du coup elle allait disparaître. Continuons. Ah, encore heureux qu'on a pris des flèches, hein. Ouais, du coup, ouais. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est une machine de guerre? Tu peux pas les... Ça serait bien qu'elle les... Parce qu'elle tire en fait de méga loin. Mais ça serait bien qu'elle les empoisonne en fait. Complètement. Genre empoisonne ça. Honnêtement, empoisonne ça, ça serait cool. Après, ça a l'air d'être une machine. Hein, mais... Je serais pas contre que ça passe. Ah, le mec est derrière, ok. Ok. Là, on est dans la merde. L'aggro. Parfait. Regarde ce qu'on a. Ce sont, ça c'est 45 dégâts, 25 et ça c'est aussi 25. Ça va être chaud de les tuer là. Ils sont tous collés l'un à côté de l'autre. Voyons voir. Sympathique cet endroit. Oh. Senti flèches encore. Cool.
J'entends encore le bruit. Je sais pas où c'est exactement. Mais il y a quelque chose qui manque. Mais je crois que ça doit être en dessous avec le crabe là. Mais j'ai honnêtement pas envie de descendre quoi. Mon dieu, c'est quoi ça? Ah, c'est une plante. Une plante qui tire. Oh la vache. Oh, bonjour. J'aime bien le côté infiltration, en fait. Vu que c'est... Ouais, vu que c'est monde ouvert, tout ça, on a besoin de... D'une différente approche, en fait. Bouclier rond. Un peu plus lourd, il a un peu plus de défense physique, 63%. Au pont, oui, on arrive au pont, mais on arrive surtout aux portes. J'ai envie de dire, peut-être qu'on peut les laisser, honnêtement. Et se reposer, là, déjà, on active ça. Voilà. Comme ça, on est tranquille. On a déjà fait une grande partie. Lieu de rendez-vous. Vous trouvez une carte rudimentaire consulaire depuis votre inventaire. Depuis votre inventaire? Ah, genre une carte au trésor? Ah oui. Carte rudimentaire indiquant le point de rendez-vous examiné. Carte rudimentaire trouvée sur une dépouille. Elle semble indiquer un point de rendez-vous. Sans doute que son auteur convoitait lui aussi l'unique moyen de pénétrer dans l'académie. Une clé de pierre d'éclat. D'accord, donc c'est sur, c'est là-bas la pierre d'éclat. Parce que nous, on n'en a pas pour le moment. Ouais. D'accord, donc... Fais voir ta carte. C'est bête qu'on n'ait pas la partie gauche là. C'est quoi ces dessins? Genre, je comprends même pas en fait ce qui est dessiné sur la côte là à droite. Mais il y aurait deux îles et c'est quoi? C'est l'océan ça? Ou c'est juste le... Genre là. Je vais être honnête, j'ai aucune idée où ça pourrait être. Genre, il nous faudrait cette partie, en fait,
de la carte. Oh mon dieu, c'est quoi ce machin? C'est ce que je me disais, ça fait un bruit énorme. Mais ouais, je sais pas trop. Je voudrais trouver la carte. C'est surtout ça en fait. Ah, vous m'avez entendu? Non. Ah, bouclier en cuivre. Ça m'étonnerait que ça soit du 100%. Ah si, 100%. Ouh, 7, il est lourd. Aucune compétence. Force 16. Ah ouais, il est encore plus résistant que le nôtre. 56 de garde. Je suis étonné que les autres soient pas venus. Je suis assez étonné. On va un peu se balader, genre en bas, où il y avait le crabe et tout ça. Cool. Je sais pas s'il va venir, je voudrais bien examiner les jambières. Alors... Soldat de l'académie de Raya Lucaria. Rongé par la rouée tachée des années conflits sont-ils. Ok. Ouais. Ok, ça marche. Ah, pourquoi deux fois en arrière? Ah, tunique. Sympa ça. C'est exactement la même. Elle a quoi? Un tranchant. Perçant. Ouais.
Je vais être honnête, je préfère l'autre. C'est exactement la même en fait. Enfin, sans le dessin quoi. Ah non, je préfère arbre et bête. Ah oui, on va aller voir ce qu'il y a là-bas. T'es quoi toi? Ah, marchand? Ah non, c'est celle qui voit les... les doigts là. Fingers, please, your fingers. Oh, bless you. Oh. Michaela's favor can be yours. Slaughter, slaughter, slaughter. All hearing slaughtered, but alas, it was for naught. But all you need do is snatch it from the big pot. Pity the poor, poor fool. Ça ira. Ça va, tu l'as fait une fois. Ça ira. Il doit être en dessous. Ok. Ah, j'aurais dû peut-être sauter. Pour éviter la chute, enfin les dégâts de chute. Bon, bah on en apprend tous les jours. Genre ça. Par contre, je suis tombé où moi? Dans l'enceinte ou... Ah putain, mais non, mais c'est sur le pont, je crois encore. Oh mon Dieu. J'aurais pu encore mieux le faire, hein, mais ouais, c'est ça. En fait. Là. On a toujours une graine à utiliser. Mon Dieu. Un crabe. Ah, c'est compliqué ici, hein.
Y a pas d'endroit pour se reposer, comme ça on augmente notre nos fioles. J'aime bien le fait qu'on n'ait pas besoin de tout combattre en fait. C'est vraiment sympa en fait, ce système. Ah, là-bas. Parfait. Comme ça, on se balade un peu. Ça sert vraiment à faire passer le temps parce que pour l'instant, bah après j'imagine que si jamais on doit, je sais pas, chasser des choses là qui sortent que la nuit ou que le jour, j'imagine que oui, mais pour le moment ah, je vais peut-être faire une pause là, moi. Oh, j'ai bien fait de revenir. Oh, yes! Mon dieu, c'est ça qu'il me fallait en plus. Ah, oh, merci mon dieu. Yes, on a tout. On a la carte. Est-ce que ça m'aide à comprendre ce que j'étais en train de regarder? Mais j'ai envie de dire pas vraiment en fait. Ah, en bas c'est la ville qui est détruite en fait sous l'eau. Et là il y a des îlots et tout ça. Pourquoi il y a 6 étoiles dessus? Genre je dirais. J'en sais rien en fait. Genre là, la porte. Non. Village en goût. Je comprends pas la carte, honnêtement. C'est fou ça. Oh, ça! C'est là. Je crois. Donc, ça, c'est la forteresse ou je sais pas quoi. Qu'on doit rentrer. Ça, c'est le petit amas. Et normalement, je crois que non, on doit aller là. Je dirais que c'est ça, la carte. Ça va un peu. Je dirais que c'est ça. Il y a deux îles. Et là, il y a deux îles aussi. Une, deux. Ouais, ça doit être là. Bon, voilà. On a trouvé notre destination. On continuera la prochaine fois. Putain, bah, c'est cool. Ah, donc c'est vrai que ces piliers-là... je crois qu'on a toujours trouvé la carte, en fait, là. Parce qu'il y a écrit des... C'est brillant, en fait, les symboles et tout. Quand il y a la carte. Donc, ouais, il faut vraiment trouver ça. Faut faire attention à ces monuments-là. Ça nous permettra de trouver à chaque fois les cartes. Bon, bah, c'est cool. Ah, et je suis très content aussi pour le bouclier. Honnêtement, il est cool. Il pouvait pas faire de la parade, mais on a trouvé, on a le pouvoir pour que maintenant il fasse de la parade. Non, ouais, c'est vraiment sympa. Très sympa, même. Ce sera tout pour cette vidéo. Merci beaucoup d'avoir regardé. À la prochaine, portez-vous bien. Ciao, ciao.